n'arrive à CTL au MBC. Merci pour fidélité. À nous guettons Samba Ntite qui finit à retenir l'attention sa dimanche là. Maurice fait partie top 25 mondial à ban pays, plus paisible que les premiers dans l'Afrique. Un classement qui est établi par l'Institut pour l'économie et la paix basé en Australie. Nous pouvons faire le point dans un petit moment. Premier ministre Pravin Kumar Jagnet fin lance un appel à tout ban mauricien et que tout à ban zen. Vous êtes donnez êtes dix ans plus souvent. Safe gouvernement qui a participé hier dans un don de sang dans quartier militaire. Après 36 ban années qu'il fin passé pour Z dossier canonisation bien européen à Laval, prêtre spiritain Bernard Im paie à la France sa semaine là ou pour capable suivre ce témoignage dans sa zone là. Et que la Badeo, ban leader mondial fin zone dans la Suisse pour discuter le processus la paix et pour finir la guerre dans l'Ukraine. Madame Missier, bonsoir. Nous démarre avec sa bonne nouvelle là. Maurice fin propulsé top 25 mondial dans ban pays plus paisible, un classement qui est établi par l'Institut pour l'économie et la paix basé en Australie et qui place Maurice 22e parmi 163 pays et que premier dans l'Afrique dans son indice Global Peace Index 2024. Économiste et observateur Pierre Dinan fin met en valeur l'harmonie qui est dans le pays et qui bise préserver. Plusieurs Mauriciens finissent aussi exprimer que la joie vive dans un pays paisible. Kouma, Maurice, à nous guettons Sam, premier reportage, sa édition là. Tous les années, l'Institute for Economics and Peace, un think tank international basé en Australie, est publié sous Indice mondial de la paix en collaboration avec l'Université Sydney. Pour ce classement global 2024, qui ne fait que sortir, Maurice classé à la 22e place, l'au 163 pays, et que Maurice dévance même plusieurs pays européens comme l'Espagne, l'Angleterre et que la France, entre autres. De plus, dans la catégorie l'Afrique, Maurice considéré comme le pays le plus paisible parmi les 54 pays en Afrique. Le rapport prend aussi en considération trois domaines, notamment sécurité dans la société, le conflit et quel degré de militarisation. La population mauricienne pèse à vous ce vivre ensemble harmonieux qui fin met en avant dans ce classement. Le cas de la paix, c'est vrai, hein? C'est vrai qu'il a paix. Ça là, ce qui vous arrive là, le film toujours vivre dans la paix sans aucun inquiétude parce qu'il y a tout ça quand les touristes qui viennent aujourd'hui là, ça quantité 1 million nous atteint là. Et vous pensez, ça c'est un facteur important pour l'arrivée touristique et aussi ben, les autres Dimoun qui comptent en ville de Maurice. Pour sur l'économie, pour tout Dimoun, hein, ou bien ça s'est fait que ça. C'était Maurice, bon, parce qu'il y a un pays multiracial. Nous, on a la corité. Qui vous a fait la paix? Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, nous vous avons prié beaucoup. Solidarité avec nous, hein. Nous vous avons travaillé, nous vous avons aimé Dieu. Mon travail, loin de sentier. Mon tout, la paix, là, partout. Dans le mot sentier, nous avons un mélange de cultures. Après, nous avons plusieurs religions. Nous tout croyons dans le bon Dieu. C'est pour la raison qui nous en paix. Oh, nous pouvons vivre tranquille, en paix. Nous avons un pays multiracial, mais nous vivons en tranquillité. Vraiment, nous avons la paix parce qu'il est multiracial. Chacun prie de différentes façons. L'IFIN observe l'évolution de la société mauricienne pendant plusieurs années. L'économiste Pierre Dinan expliquait que le niveau de paix, c'est un atout qui vient préserver à tout prix pour la prospérité de Maurice. C'est une bonne nouvelle, certainement. Probablement que cela veut dire que depuis les moments difficiles que ce pays a vécu pendant des décennies, aujourd'hui, c'est du passé. Donc, c'est largement du passé. Donc, je pense que ça explique un peu cette, une espèce de tranquillité, si vous voulez, à ce rapport-là. Il y a une situation où tout le monde donc, est reconnu comme mauricien. Et il faut souhaiter que cela non seulement continue, mais s'intensifie. Maurice peut maintenir ainsi sa place dans le top 25 mondial des bains de pays les plus paisibles, a signalé qu'il est trois premières positions dans le Global Peace Index 2024, sont occupées respectivement par l'Islande, l'Irlande et l'Autriche, tandis que les bains de pays tout en bas du classement, c'est le Soudan et le Yémen. Chambre de commerce et de l'industrie de Maurice accueille favorablement Ban Mézier qui fin annoncé dans Bidze 2024-2025 pour promouvoir l'efficacité et la productivité économique. Dans une déclaration à MBC, secrétaire général MCCI a fin cause le plaisir Mézier pour stimuler l'activité portuaire et aussi secteur logistique. Reportage.
Secteur tourisme, soutenu par une meilleure connectivité aérienne, ainsi que secteur construction et celui des services financiers, sont les principaux moteurs de croissance de l'économie mauricienne, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, dans ce band Budget Highlights. Il y affiche la satisfaction quant aux mesures annoncées par le Grand Argentier pour stimuler l'efficacité et productivité économique, qui tient au cœur de la proposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice pour budget 2024-2025. Plusieurs mesures que nous accueillons très bien, qui tournent autour du human capital, du labor force, donc l'enlèvement des quotas par rapport au foreign labor dans différents secteurs. Au niveau de la logistique, les annonces des investissements au niveau portuaire. Nous accueillons aussi les mesures qui sont liées spécifiquement aux manufactures, surtout qui appuient le secteur de l'exportation. On nous connaît que le secteur de l'exportation, c'est une possibilité, c'est une opportunité, mais aussi un défi qui est associé à cela. Surtout que une SME aujourd'hui, business capable empower to go forward, la mise en place du Export Promotion Council, le site Capital for Export, l'extension des mesures de support à une entreprise, notamment le Freight Rebate Scheme, entre autres. MCCIP aussi prend bonne note de mesures pour amélioration climat des affaires. L'IP assure déjà la coordination avec les opérateurs secteur privé pour renforcer sa initiative là, selon Dr. Drishtesting Ramdeni. Nous prend aussi note de certaines mesures de ease of doing business, que ce soit au niveau du CBRD, le nombre d'autorisations qui permettent le NELS, les timeframes qui sont associés à the delivery of a number of authorizations, qui sont des très bonnes mesures. Selon le secrétaire général MCCI, l'institution en fin d'engage libre pour travail l'oban possibilité d'exportation pour une entreprise mauricienne à travers ce réseau différentes chambres de commerce. Le 14 juin dernier, tiena la journée mondiale ban Dimoun qui donne 10 ans, un événement qui fait chaque année pour remercier ban bénévoles. En 2023, Service national transfusion fin collecté un total 52 000 pintes 10 ans. Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth était dans le quartier militaire hier à côté de fin fait don ce 10 ans. Premier ministre dit que ce gouvernement met beaucoup l'accent sur la santé. C'est le gouvernement dit aussi qui finit une belle avancée dans sa secteur là et que qualité ban service fin bien améliorée. Il fin lance un appel à ban mauricien, à ban zen surtout pour qu'ils te donnent 10 ans souvent. Je suis ici, c'est ban donner régulier. Je fin choisir pour donner un tigin ce 10 ans pour aider un inconnu. Malgré progrès dans le domaine médical, 10 ans humain n'est pas capable de remplacer. Donc, il y a un don inestimable. Plusieurs fois, je suis venu. Je suis venu 33-34 pipes pour finir. Je suis venu un petit peu. Il y a beaucoup de gens malades qui sont venus. Depuis 15 ans, qu'il m'a fait venir donner 10 ans. Quand on donne 10 ans, on peut aider la personne qui peut faire opération. Il a fait dans le 10 ans. Moi aussi, ce qu'il m'a fait à chaque fois, c'est que je suis venu à la personne dans le besoin. Elle, et deuxièmement, on donne moi-même. En bonne santé, parce que plus nous le disons, nous les produisons de nouvelles cellules. Les 14 juin, c'est la journée mondiale qui est dédiée à ban donner 10 ans, en remerciement à sa geste qui se fait là pour sauver en la vie. Pour Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth, faire don de ce 10 ans, c'est un devoir. Nos gouvernements nous permettent beaucoup, beaucoup l'emphase sur la santé. Hein? Alors, ce n'est pas seulement qui nous peut donner conseil, nous peut sensibiliser la population, mais tout le monde réalise et vous d'accord que le secteur de la santé il connaît une grande avancée, un grand développement, un grand progrès. Ne serait-ce que une infrastructure qui peut faire pour nous capables d'offrir un plus grand panoplie de services ici même, dans nos pays, qui sont disponibles. Vous pensez qu'il donne 10 ans, c'est déjà une action très noble parce qu'il nous peut contribuer pour sauver la vie du monde. Et du monde dit vous êtes prêts pour donner la vie pour ce pays-là. Mais si vous êtes donner la vie pour ce pays-là, pourquoi vous êtes capable de donner un petit peu 10 ans? Donc, pour essayer de contribuer aussi pour sauver la vie du monde. Donc, moi, je suis bien content que chaque fois, je fais moins de devoirs personnellement. Pour venir donner 10 ans. Et je l'appelle, bien sûr, à tout le monde qui est capable, bien sûr, de donner 10 ans, ben, faire ça devoir là.
Tous les jours, il y a un bandimoun malade ou qui fait accident, qui besoin une transfusion de sang. Ban l'hôpital, ce besoin ban donner régulier afin qu'ils soient capables de maintenir une réserve à un niveau suffisant pour répondre à sa demande là. Transfusion de sang n'importe qui est un patient est capable de besoin s'il fait un accident, soit une madame qui a une complication sur pregnancy et qui peut saigner, mais nous besoin ça de sang là. En ce moment là, nous pas capable d'attendre qu'un quelqu'un vienne lui donne du sang là nous faire ce test. Parfois il peut autant. La cause, nous tous les temps, dire, nous avons un stock suffisant qui, comment un patient bizarre, nous capable de donner des suites. En plus, dans 10 ans, ça méga zone la santé là, il nous permet de faire une dépistage précoce, une maladie non transmissible et donne à un habitant un conseil personnalisé. Premier ministre, il fait un bon travail. Parfois, nous finissons que le docteur paye même. Et l'action, nous prenons gagné. Comment ici, nous finissons le résultat là. Il est bien bon pour la santé. Tout le monde fait un check-up. Ce qui n'est pas connu aussi, il faut finir de connaître qui vient gagner. Là, il va faire ce traitement. Chaque jour, le service de la santé a 150 pintes d'essence. Service transfusion sanguine a ainsi maintenir un stock minimum 600 pintes pour répondre à besoin de l'hôpital public et clinique privé. Finena aujourd'hui une la messe spécialement dédiée aux enfants qui victimes maltraitance et aussi à un adulte maltraitant dans l'église Sainte-Croix, une la messe qui fut organisée par l'association Un enfant dans la prière. Un enfant dans la prière propose à un priant pour aider les enfants victimes maltraitance et qu'un adulte maltraitant pour une simple prière quotidienne et personnelle. Non bandimounla y confié par l'association. La maltraitance, vous croyez que cet enfant peut dormir bien? Un jeune qui vit aussi cette souffrance dans son être, son âme, son corps, peut dormir bien? Pendant sa la messe spéciale là, Monseigneur Durone fin dirige ban la prière spécifique dédiée à ban enfants victimes de maltraitance, mais aussi à ban adulte qui est responsable de ce sort. Nous déjà occupons des enfants maltraités, des parents, nous accompagnons aussi ban parents qui dans le problème. Et ça fait vraiment plaisir. Et nous ne pas s'attendre si nous pouvons installer la messe aujourd'hui. Nous devons mettre la foi, mettre la force pour nous capables d'être maintenant, même pas dans la prière, même de demander une aide avec nous, nous aider. On a besoin de prier pour le monde entier, surtout pour les enfants. Je suis très très content pour citer cette messe. Créée il y a 24 ans, l'association Un enfant dans la prière existe aujourd'hui dans une trentaine de pays et qui regroupe plusieurs milliers de priants. Avec à son actif 52 ans sacerdoce et que là-dedans 36 bonnes années qu'il y finit passer pour Z, dossier canonisation bienheureux Père Laval, prêtre spiritain Bernard Im Père La France, son pays natal, sa semaine-là, il y finit de nous un témoignage rempli avec l'émotion, l'eau se parcourt parmi ban mauricien à la recherche d'un miracle qui pour accorde sainteté à Père Laval. Chaque année, des milliers de pèlerins allent tomber bienheureux Père Laval. Certains allent rejoindre guérison ou bien un miracle pour soulager. Manque un miracle pour que Vatican accepte et canonise Père Laval. Ce miracle-là, Père Bernard Im, Père Audely depuis 36 ans. Sa prêtre spirituel français qui appartenait à la même congrégation que Père Laval, Père regagne bientôt ce pays natal. Depuis qu'il est arrivé le 3 septembre 1988, Père Im recueilli un témoignage pour déterminer si un miracle est capable d'attribuer au Père Laval. On est en train d'attendre ce qui permettra de faire le dossier d'un miracle. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Actuellement, je suis arrivé à peu presque, je ne suis pas encore arrivé complètement, à 1000 témoignages rassemblés. Bon, de toute qualité, hein, mais 1000 témoignages. Ce bonne humeur, ce franc-parler, mais aussi ce l'humilité pour mon cabane mauricien qui connaît lui. Père Laval nous donne sa courage là, ça la force là, pour nous capables de mettre la tête ensemble. Les mauriciens, ça va être plus dur de les quitter. Pourquoi donc? Ben, je me suis attaché. En 36 ans, il y a de quoi, non? Mot famille, ça.
canonisation Père Laval, c'est travailler la vie. Père Bernard Im, pour continuer travailler l'eau ça de ciel là. Les gens qui ont demandé quelque chose au Père Laval et qui l'ont obtenu doivent témoigner. Au centre Père Laval, bien sûr, les gens peuvent venir témoigner, mais ils peuvent témoigner auprès de leur curé, avec leur nom et une référence pour que je puisse reprendre contact avec eux. Mais ils me transmettent ça à Paris. C'est à travers ça qu'un jour je trouverai un dossier à présenter au Vatican. Tant qu'il ne sera pas canonisé, on ne peut pas étendre le culte du Père Laval au monde entier. Père Im quitte Maurice avec l'espoir qu'il se travaille pour inscrire Père Jacques Désiré Laval au canon des saints pour aboutir. Moi, on retrouve vous après une pause pub. Si vous pouvez suivre nos bulletins en créole, dans secteur à la santé, Maurice positionne-lui comme une centre excellence dans la région pour ban soins médicaux et que pour une meilleure qualité ban service médical de Maurice, ministre de la Santé fin annonce une série ban mesures fort. Pendant un débat dans le Parlement, les fin sièteaux annonce construction de nouveau l'hôpital Lisier et aussi une nouvelle unité transplantation rénale. Nous causons Stella, sa mesure bizetella qui concerne embellissement et propreté dans le pays. NECA, ça veut dire National Environment Cleaning Authority, qui opère sous les aides du bureau Premier ministre, pour capable recrute 2000 dimouns pour accomplir sa mission-là. Comme on connaît, NECA fin créé et n'a des ans de cela avec comme responsabilité élaborer une stratégie nationale nettoyage et aussi embellissement. Déo dans la Suisse, plusieurs leaders mondiaux finzouane pour discuter le Kouma amène la paix dans l'Ukraine. Ban Premier ministre, président et ban les autres hauts représentants, puisqu'il 90 pays, participe dans sa sommet là. Président français Emmanuel Macron dit qu'il y a encore plus pays, bien participe dans ban procédure à la paix pour qu'il la guerre finisse. Pour tout de suite, nous sommes ensemble dans nouvelle étang, situation générale. Un heavy rain watch est en vigueur au Maurice jusqu'à 10 mai, grand matin 4h. Banias associé à un système frontal a affecté l'étang, ban prévision pour prochaines 24h. L'étang pour couvert au diasoir est aussi 10 mai, grand matin, capable aussi à l'appli, surtout dans les cédés que le plateau central. La mer pour mauvais en déo prison avec ban vague démette. Marée haute 21h39 et 10 mai 10h34. Marée basse 10 mai 4h25 et 15h50. Soleil est pour lever 10 mai grand matin 6h43. Autant donc pour l'actualité en 20 minutes. Madame Issier, merci pour l'attention. Un grand merci aussi à toute l'équipe réalisation pour votre coup de main. Bonne soirée, et surtout bonne semaine. L'OMBC.